L'hypertension artérielle dégrade la structure des artères qui deviennent moins souples et perdent certaines de leurs propriétés. En fait, les artères vieillissent prématurément. En conséquence, le débit sanguin au niveau du cœur, au niveau du rein, au niveau des artères et du cerveau va être réduit et donc inefficace, ce qui conduit à plus ou moins long terme à des complications que sont l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance rénale ou la dissection de l'aorte. Ce processus de vieillissement est plus accéléré quand s'ajoutent certains facteurs comme le diabète, l'excès de cholestérol, l'obésité, le tabac ou la sédentarité. L'hypertension artérielle est donc un tueur silencieux qu'il convient de dépister et de traiter correctement afin de prévenir ou de retarder les innombrables complications.